Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, golden. Golden, golden. Ah oui, envoyez un message. On va attaquer ce matin dans le calme parce qu'on arrive sur une journée où on n'est plus le week-end, on est lundi. Et donc après l'ouverture où il y a eu pas mal de monde, et ben on se retrouve un jour un peu plus calme. Et hier on a pêché un petit peu quand même. Hier on n'a pas fait de vidéo complète, on pêchait à la cool. Il y a quand même les GoPros et on fait deux beaux poissons au finesse. Donc on va pas changer une équipe qui gagne, on va rester là-dessus. Donc sur une tête planante de 5 grammes, avec un hameçon court pour lui laisser pas mal d'amplitude. Et comme on l'a déjà dit, on le met dans ce sens-là pour qu'au moment des darts, il se balade un peu mieux. Donc voilà, aujourd'hui petite session entre nous. Il y a beaucoup moins de monde, bah nous déjà on est beaucoup moins nombreux parce qu'on a passé une ouverture où on était très nombreux. Et voilà, on est entre nous, donc on va voir si on arrive à faire 2-3 poissons. Il n'y a plus personne autour du lac pour l'instant. Donc après l'affluence... plutôt sympa d'ailleurs, hein, que des gens sympas. On a vu de plus en plus de gens qui relâchaient des poissons, donc ça fait toujours plaisir aussi. Il y a pas mal de gens qui ont réagi, notamment sur les réseaux, à la nouvelle réglementation, donc c'est que le message passe et c'est plutôt bien. Et voilà, on va voir si le fait qu'il y ait moins de monde, ça nous permet de faire un peu plus de poissons ou pas. Doucement, doucement, doucement. Lève un peu ta canne, doucement. Sors de là. Voilà. Bah, je suis hyper contente, donc c'est mon premier poisson de l'année 2022. Et voilà, une magnifique truite. Ça repartit grand. Oh putain! Oh. Franchement, la ligne de la caméra, ça va commencer à me gonfler ça. Tu disais quoi, Joe? T'en avais pas décroché encore? Non, je disais que le sans-ordillon, et c'est pas un poisson qui va changer cet avis-là. C'est que j'étais au départ perplexe et au final. Depuis l'ouverture samedi, j'avais pas décroché un seul poisson sur 8 touchés. Et voilà. J'ai refusé de le dire. C'est ça. T'en as parlé aussi tout à l'heure, c'est pas bon. Avec un squeletton 5 cm natural yellow, monté sur une tête de tout petit chat en 5 grammes. Elle était bizarre. J'ai déjà cru au départ que je l'avais décroché parce qu'elle venait à fond vers moi. Et après, vous avez vu. La tresse, elle doit faire un angle comme ça. Forcément, le temps de remettre bien en tension, il faut envoyer des ferrailles, il faudrait referrer derrière presque. Vu qu'elles sont loin au fond. La gueule! C'est Noupi! Ah
Bonsoir et bienvenue sur Fishing Lifestyle. On se retrouve encore au bord du lac. On a pêché un peu ce matin. C'était très dur. Alors on pensait que le lundi au soleil, ce serait mieux parce qu'il y avait moins de monde au bord du lac. Et ça n'a pas marché. Et donc là on s'est retrouvé pour le coup du soir. Donc Yo nous a rejoint. Et on a déjà décroché deux poissons parce qu'on a pêché très profond et que le ferrage n'était pas très efficace. Ou juste parce qu'il y avait la caméra. Ça aide aussi. C'est possible aussi en général, ça porte un peu la guigne. Et voilà, donc là par contre il fait beau, il fait moins froid. Et ben, on va voir si ça s'active au coup du soir. Là, il nous reste. J'ai plus de batterie sur le monde. Il nous reste une bonne heure de pêche, donc on va voir ce que ça dit. Go ! Go ! Allez, pêchons ! Let's go ! Non, plus sérieusement, on va persister et en une heure, on va bien finir par rentrer un peu fond. Bon, on vient d'en décrocher deux, ça va bien finir par rentrer. Oui, c'est certain. Easy. Alors, on a fait depuis l'ouverture? Non, je peux parler. Tu peux parler? Pas très gros. Exceptionnel. T'as niqué les stats à un jour. Oh, j'ai niqué mes stats là. Bon, déjà qu'elles étaient pas. Mais les balles. Voilà, un joli petit poisson. Pas le poisson du siècle, mais ça fait plaisir quand c'est juste cette journée difficile. Ça fait 32-33 quoi. Bon. Bah voilà la première de la soirée, c'est pas grave, il suffisait de décapoter et après on est parti. Maintenant on va faire la grande sœur. La grosse. La grande sœur. À quoi du coup tu pêches? Je pêche au tout petit shad. Au tout petit shad sur une tête de. Alors au tout petit shad non monté sur une tête de 5 grammes. Pour vraiment essayer d'aller chercher loin et assez profond. Et en fait sur une tête planante pour pouvoir le faire darter un peu comme on fait aux finesses là, et ça marche bien. Vu qu'elles sont sur des petites proies de ce qu'on a vu tout le week-end, ben, on essaye de continuer avec nos petits leurres et pour l'instant ça a l'air de marcher. Alors forcément ben, ça sélectionne moins les gros poissons j'ai l'impression, mais ça sélectionne quand même des poissons. Ça fait de tout. Pour l'instant c'est le but. Donc on va voir si on arrive à toucher une plus grosse. Du coup t'as pêché loin au bord? Ouais, je l'ai prise loin, ouais. Je l'ai prise loin comme celle que j'ai décrochée tout à l'heure, assez loin. Et bah c'est pour ça que j'ai mis ça à hein, 5 grammes, ça permet de l'envoyer quand même vachement loin. Surtout que du coup ça fait un leurre assez compact vu qu'il est petit et que c'est les têtes planantes avec des hameçons très courts. C'est l'avantage. Alors à la gamme, alors c'est une tête avec ardillon écrasé parce que en sans ardillon on n'a pas d'hameçon aussi petit sur ce grammage, mais sur l'aide de la gamme. La gamme normale macadam, on a la chance d'avoir beaucoup de tailles d'hameçons différentes pour pas mal de grammage. Et là, de pouvoir mettre un tout petit hameçon sur une tête un peu lourde, ben, dans ce genre de situation, ça a l'air d'aider un peu. Donc, à confirmer maintenant avec une grosse mémère. Il est 33, quoi. Tu veux un tout petit chef ? Du coup, je pêche. Avec ma fidèle 721 X-Ray. Donc bon, c'est une canne homemade hein, que j'ai montée moi comme d'habitude. Et c'est une canne de 2m20 donnée pour 3-12 grammes. Donc ça permet bah, voilà, de bien catapulter même des têtes de 5 grammes comme ça. Et ça permet quand il y a besoin de passer sur du 8, 9, 10, 12 grammes, voire un peu plus en le fouettant pas trop fort. Et c'est une canne que j'apprécie énormément. Alors j'ai fait pas mal de poissons avec. Elle est ultra légère, ultra résonante, donc je sens vraiment tout ce qui se passe. Et elle est quand même vachement polyvalente, c'est-à-dire que je pêche aussi bien au leurre souple avec qu'avec des leurres métalliques, que des leurres durs. Voilà, ça passe vraiment partout. Et, voilà. Et aussi bien avec des tout petits leurres comme le tout petit shad qu'avec des squelettons 8 par exemple, ou même au néo-chalot 9 cm, ou voilà, des leurres un peu plus grosses, ça passe aussi. Et la grosse particularité de ces blancs NFC, c'est qu'ils ont
Et généralement, sur quasiment toutes, elles ont des réserves de puissance qui sont vraiment, vraiment impressionnantes, surtout par rapport à la légèreté et la finesse du blanc. Et du coup, bah, même quand on tombe sur des gros poissons, on peut arriver à les brider un petit peu, et ça a quand même son importance. D'une, pour les cailloux, et de deux, quand on n'a pas d'ardillon, ça permet de mettre un peu la pression pour garder tout le temps de la tension. Et du coup, on a vu qu'on décrochait pas plus de poissons que ça. Donc, et puis, de toute façon, maintenant que vu qu'on pêche ici et à beaucoup d'endroits, maintenant qu'on commence à écraser nos ardillons sur tous les leurres, bah, on va pas changer l'hameçon à chaque fois. Donc je pense que les ardillons, plus ou moins, une fois que la boîte sera tout écrasée, bah, ce sera fini. Eux et moi, ce sera fini. C'est clair? Ouais! Oh, on fait de la merde! Parlez plus fort! Yes! Merci. Je vais remonter mon foot là. C'est coffrette? Calme-toi, chérinette. Quel petit chat encore? Ah, merde! Décroché. Pourtant, je lui avais dit à ma meuf de ferrer. Oui, non. Faut changer. Il faut tout. Elle était jolie. Voilà, une photo rapide et bah, elle est repartie plus vite que prévu, c'est pas grave. Non. Elle a pas voulu prendre la pause, bah, c'est comme ça, c'est son choix. C'est ça. Elle est bien bien repartie et de toute façon c'est l'essentiel. C'est jamais facile de faire des photos de poissons parce qu'on essaye de les sortir pas très longtemps de l'eau, genre 5, 6, 10 secondes grand max. Et du coup des fois ça arrive qu'elle veuille repartir à l'eau, en plus avec les mains mouillées, le mucus, machin. Donc voilà, elle repart, en même temps elle allait repartir. C'est ce qu'on allait faire. Donc voilà, un poisson qui fait plaisir, deuxième poisson. Pas très gros, mais on monte, peut-être que la prochaine fera 40. Allez, on va continuer, ça a l'air d'être actif, Emmy a pris une touche pendant ce temps-là, donc avec un peu de chance on va arriver à faire une grosse, ce serait bien. Je ne veux pas mettre ma main. Non, tu veux droit. Là, je te. 45.
Ça c'est plus. Yes. La dernière du soir. Bon c'était. Yes. Bon c'était la dernière du soir je crois. Dernière. Mais c'était bon. L'heure de l'apéro. C'est ça, du coup j'ai droit à. T'as le droit de boire un verre, ouais. Bon, ben ça va. Bravo. Je suis dans le web.